Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos du changement de statut en sous-préfecture du Raincy. Avant tout, ce tutoriel a pour but de vous guider afin que vous arriviez sur le bon site, que vous puissiez prendre rendez-vous vous-même. Les rendez-vous sont gratuits, donc il faudrait être ponctuel sur le site afin de trouver des rendez-vous. Je vous assure qu'il y a des rendez-vous. D'accord? Le changement de statut, qu'est-ce que c'est? Je pense que pour nombre d'entre vous, vous savez ce que c'est. Si vous avez un titre de séjour salarié ou maladie autre, vous voulez changer ça en statut vie privée familiale ou plein d'autres statuts que je ne connais pas. Mais c'est la paperasse. Donc je vous invite à abonner ce tutoriel et soyez attentifs. Restez juste à la fin. J'ai amené deux techniques pour vous. Une technique qui va vous diriger directement sur la page là. Où est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Pas ailleurs. Parce que, vous savez, sur Internet, il y a plusieurs sites d'Internet, il y a plusieurs démarches, et il y a plusieurs choses qui peuvent vous dérouter du circuit. Donc, il y a des jours qu'il va falloir que vous soyez concentré sur le site. Je vais vous les dévoiler en fin de tutoriel. En plus, je vous ai amené des codes de service qui vont vous permettre de switcher d'un service à un autre, d'une sous-préfecture à une autre. Voilà, je vous laisse vous abonner. Partagez s'il vous plaît, merci. Et puis, on fera un tour sur le deuxième site où certaines démarches ont été migrées. Donc, il est d'autres que ce site-là. Administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr / particulier. Bon, ok. N'oubliez pas de laisser passer les publicités sur la vidéo car c'est via ça que ce travail sera rémunéré. Voilà, vous avez un lien comme ceci. Je vous prie de vous abonner, merci. Je vous ai amené deux techniques. Une technique qui va vous rediriger directement sur la page d'Internet pour aller prendre rendez-vous pour la démarche qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez être sur le bon site au bon endroit, puisque vous savez qu'il y a plusieurs sites, il y a plusieurs démarches, et il y a plusieurs préfectures et sous-préfectures, donc à des manières que vous ne vous trompez pas, et soyez ponctuel sur le site, que vous puissiez prendre rendez-vous vous-même, car les rendez-vous, je vous ai amené une deuxième technique qui consiste à aller sur le site de la Seine-Saint-Denis, ok, pour pouvoir vous débrouiller si vous voulez passer via le site de la Seine-Saint-Denis. Mais ça, c'est en fin de tuto. Je vous prie de bien vouloir rester jusqu'à la fin si vous voulez bénéficier des techniques que je vous amène. En plus, il y a des codes de service qui vont vous permettre de switcher d'un service à un autre, d'une préfecture à une autre pour être efficace au moment de prendre rendez-vous vous-même. Ok, pour ce faire, vous avez ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça concerne la sous-préfecture du Raincy. Donc, on va prendre celle-là. Ok. C'est-à-dire le changement de statut. Votre navigateur, vous le lancez, peu importe le navigateur que vous utilisez. Vous vous placez là-haut. Vous commencez par https://www.rdv-préfecture. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Point intérieur. .groupe.fr. Ensuite, vous mettez /rdv. Bref, vous mettez un deuxième / réservation. Et puis, vous mettez un / vous mettez démarche. Ensuite, vous mettez un autre / vous vous arrêtez là. Et vous mettez 4409. Et vous mettez un / pour terminer. Vous cliquez. Moi, l'erreur, elle se trouve dans ici. Il manque un F ici. Ok. Si je fais entrer encore, vous prenez le temps de bien taper ceci. Voilà. Il manquait un F après F. Ok, vous avez vu que j'ai modifié. Donc, lorsque vous faites ceci, vous arriverez ici. Vous avez changement de statut. Vous avez vu que ça vous envoie directement à la page, sans passer via la Seine-Saint-Denis. Bon, bien sûr, c'est
ici de la Seine-Saint-Denis, mais sans passer via l'accueil, plein de choses. C'est pour ça que je vous dis de soyez attentifs. Ici, vous avez changement de statut. Vous avez 6 étapes. Qu'est-ce que vous faire? Prendre rendez-vous ou autre chose. Prendre rendez-vous, au lieu de gérer mes rendez-vous. Si vous avez rendez-vous et vous rencontrez une difficulté ou autre, vous pourriez modifier ou supprimer, enfin plutôt supprimer. Bon, je sais pas que, voilà, ça, je vous ferai un tutoriel là-dessus. Ici, voilà, prendre un rendez-vous. Vous cliquez là-dessus. Le service est réservé exclusivement aux personnes habitant une des communes de l'arrondissement du RSI. Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Coubron, Drancy, Duny, Gagny, Gournay, Gournay-sur-Marne, Blanc-Ménil, Le Bourget, Le RSI, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-les-Grands, Rosny-sous-Bois, Sévran, Tremblay en France, Vaujours, Villemomble et Villepinte. Si vous résidez dans ces communes-là, vous êtes apte à prendre rendez-vous ici. Et puis, bon, attention, les démarches de changement de statut, salarié, une autorisation de travail doit être sollicitée en... Parce que je vous rappelle que les choses ont changé, d'accord? C'est-à-dire que vous mettez ça, mais pour les demandes de changement de statut vers salarié, une autorisation de travail doit être sollicitée en amont auprès du service de la main-d'œuvre étrangère via le lien ceci. Donc vous allez devoir prendre rendez-vous ici. Vous descendez, je vous assure que vous avez 15 minutes après avoir pris rendez-vous pour confirmer ça via le boîte mail que vous avez renseigné. Ici, vous devez rentrer le code de sécurité ici. Donc, il va être WV3USSC6A. Ici, vous faites suivant. Là, si vous vous trompez, c'est pas grave. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire la suite. Par exemple, je me suis trompé, ça m'a retourné sur la page. Et si c'est trop compliqué pour vous, ok, vous générez un autre code de sécurité. Et je me suis trompé. Donc ça, je pense que c'est bon. N, R, D, I, H, S, 5, K, Y. Donc, voilà. Bah, attends, c'est... Alors. 6, c'est 6, H, R, 8, K, W. Donc, et voilà. Ceci dit, il y a eu des rendez-vous hier à 17h50 pour cette démarche. Donc forcément, il faudrait attendre pour cette démarche, par exemple. Dernier créneau disponible, semaine du 4-03-24. Donc, et voilà. Donc, au moment que je tourne ce tutoriel, il n'y a pas de rendez-vous, mais il y en a eu hier. Vous avez vu, dernière mise en ligne du rendez-vous. Le 25-1-2024 à 17h59. Aucun créneau disponible à partir de cette date. Veuillez réessayer ultérieurement. Ok. Donc à partir de là, je pense que vous avez compris comment faire pour aller prendre rendez-vous. Ici, vous êtes sur le bon site pour prendre rendez-vous. En sous-préfecture de Seine-Saint-Denis, vous avez la date de qu'il y a eu des rendez-vous et la prochaine date. Mais ils l'ont pas encore mis en place pour ceci. D'accord? En gros, lorsque vous y allez, ça vous fait... Je vais vous afficher celle-là. C'est comme ça. C'était celle-là ou autre. C'est celle-là. Donc la première technique a pris fin. Donc on va passer à la deuxième technique. C'est de passer via le site de la Seine-Saint-Denis. Vous allez voir. Ici, vous avez prochaine mise en ligne. De nouveau, rendez-vous. Voilà, ça c'est une date en fait. Ce qui est important, c'est que vous avez la dernière date qu'il y a eu et la prochaine date. Donc, ça veut dire que là, vous avez le repère. Donc, je trouve qu'il est pas mal, qu'il est assez bien comme ça. Vous n'êtes pas tout le temps sur le site. Mais de toute façon, vous devez être ponctuel le lundi, le mercredi, le vendredi. En fait, tous les jours de la semaine, il y a des rendez-vous. Mais ces 3 jours-là, soyez plus sûr. Ok, mais bon, ne lâchez pas prise. Mardi,
jeudi, tout cela, vous pouvez checker. De toute façon, tout dépend des démarches que vous voulez faire. Okay? Mettre pas à jour, ici, aléatoire. Bon, cette première technique. Deuxième technique, c'est le code. Okay? Là, vous avez vu, on est dans le changement de statut. Admettons qu'on veut aller voir pour autre statut. Vous ne touchez rien à l'URL. Vous vous placez après démarche entre les slash. Vous allez devoir noter ces codes-là. Ces codes-là, vous voyez, ça concerne les services en fait. Changement de statut, on est dans celui-là. Donc le code, c'est 4409. Maintenant, demande d'autorisation pour autre chose. Si je veux l'APS, admettons qu'on veut prendre celui-là. OK. Vous placez ici, après démarche, entre les slash, d'accord? Et vous voyez que ici, il me demande de prendre le. Entre le CAPTCHA, voilà, là vous avez vu, demande d'autorisation. Et là, j'ai qu'à rentrer le mot de passe de le code de sécurité pour aller voir les rendez-vous pour cette démarche. OK? Le 5VK, PH5. Et voilà. Ici, vous avez cela qui s'affiche. Boum. Donc, pareil, il n'y a pas de rendez-vous pour ceci. Ici, je suis ici, je vais changer pour aller sur les remises. C'est comme ça qu'il faut switcher entre un service à un autre. OK? Renouvellement de récépissé, si je suis dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là. OK? Vous avez vu? Je fasse uniquement le numéro. OK? Vous mettez rien de plus. Sinon, ça va générer une erreur. Donc là, je mets comme ceci. Comme je l'ai dit, si vous avez trop de mal, vous générez un nouveau code à partir de là. Ici, vous faites suivant. Tout est correct. Donc, le 25-1. Donc, hier, il y a eu des rendez-vous pour cette démarche aussi. Et par contre, c'était à 17h30. OK? Donc, de là, vous avez compris comment changer certaines choses. Admettons que vous voulez prendre rendez-vous pour la remise, ok, le retrait de votre titre. Vous prenez le code, par exemple, retrait du titre. Vous laissez le temps de noter. Comme ça, vous switchez d'un service à un autre. Hop, là, vous rentrez votre code de sécurité, par exemple, WAREXD. H Je vous prie de vous abonner, merci. W Y A S 6. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un J? Un J. Puis donc je pense que je vais me tromper aussi. Ouais, parce que voilà. Donc vous avez compris le principe, hein? Donc ça c'est un A P B A 8 N 4 V. Si vous avez du mal, vous générez un nouveau par là. Si bon, par contre, là, remise des titres, d'accord, lorsque vous avez des rendez-vous, ça se présente comme ceci. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre une capture. Première chose, il y a des rendez-vous pour remise des titres. Je vous prie de vous abonner, merci.
Donc, lorsqu'il y a un rendez-vous, ça se peut être comme ça. Pour prendre rendez-vous, par exemple, admettons que je vais prendre celui-là. Vous cliquez là-dessus, et vous faites suivant. Et vous êtes amené à entrer vos informations. Et je ne vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perturber le service. Vous rentrez nom, prénom, mail. Et hop, vous prenez le rendez-vous par ici. Et c'est bon. Vous allez pouvoir retirer votre titre de séjour en sous-préfecture de du Rhin-Sy. D'accord? C'est comme ça qu'il faudra. Voilà. Cliquez sur le traîneau que vous souhaitez. Là, c'est sélectionné en bleu. Vous faites suivant. Je n'ai pas réservé. Alors, annuler la réservation en cours. Ça, c'est bon. Annuler, c'est bon. C'est bon. Ouf. Ça, j'ai pas perturbé le service parce que j'ai pas besoin de retirer. Parce que là, il y a des gens qui attendent. Voilà. C'est tout pour cette technique. Maintenant, la deuxième technique consiste à aller sur le site de. Là, vous avez vu, il y a des rendez-vous. Consiste à aller sur le site de. Bon, on a. Bon, admettons qu'on veut aller pour renouvellement. Renouvellement. On va ici. On change le. Ici, là. Par ici. Vous mettez celui-là comme ça. Et vous faites ceci. Pareil, vous êtes à un renouvellement du titre. Ici. Vous mettez les captcha, moi je veux régénérer un autre parce que ce mode de sécurité VPA 6 ST M. Je crois que c'est un N par contre. N, M. Voilà, c'est tout le monde ce truc. Là, vous n'avez pas de rendez-vous, mais il y a eu le 18 pour le renouvellement des titres. Voilà, c'est comme ça pour switcher d'un service à un autre. Ok, ça c'est fait. Maintenant, supposons qu'on ne veut plus passer par cette technique. On veut se compliquer la tâche. Ben, vous avez ce site-là qui, elle, est ceci, https://www.sen-saint-denis.gouv.fr. Prenez rendez-vous. Parfois ça bug, lorsque ça bug, je vais vous montrer comment y aller. Hop, vous collez ça ici, vous arriverez ici, et bien vous allez devoir descendre. Descendre, plein de choses comme ceci. Vous descendez, prendre un rendez-vous en préfecture, Bobigny, prendre Bobigny en premier lieu. Maintenant, remise des titres de séjour. Ensuite, vous avez prendre rendez-vous en sous-préfecture de Saint-Denis. Si vous êtes à Saint-Denis, vous y allez. Ou ainsi, c'est là qu'on était tout à l'heure. On a vu qu'il y avait des rendez-vous pour des remises des titres. Okay? Maintenant, tout dépend du service que vous souhaitez. Donc, on ne va pas y retourner. Vous cliquez là-dessus. Troisième façon la plus compliquée, mais c'est en cas où ça ne fonctionne pas. Par exemple, ceci. https://www. sen-denis-saint-denis.gouv.fr démarche/étranger vous-démarche. Ceci, donc vous prenez ça, vous tapez ça dans là-bas. Ok. Ceci qui va vous ramener directement ici. Vous devez faire prendre rendez-vous. Ou sinon, vous avez le panoplie des services que offre cette préfecture pour les étrangers. Par exemple, les autres services sont à Yvoire. Ici. Prendre rendez-vous. Boum. Et puis, vous avez les services en fait Bobigny, ensuite sous-préfecture de Saint-Denis, ensuite le Rhin-Sy. Voilà comment aller faire votre démarche. Ok? Donc, vous lisez par exemple remise des titres, vous cliquez là-dessus, vous serez ramené ici lorsqu'on était tout à l'heure. Vous allez prendre rendez-vous.
On va voir s'il y a eu des rendez-vous, si les rendez-vous sont toujours là, parce que ça part comme des petits pains. Là, c'est un peu tôt. 6, 4, 8, 10, et les gens veulent faire les choses au petit bonheur, la chance. Pendant ce temps, on sait très bien qu'il y a tant de séjours à renouveler. Voilà. Là, par contre, vous avez vu qu'il y a toujours les Trudeau sont présents pour le retrait de titre. Bon, maintenant, ok, pour le deuxième site où les choses ont été migrées. Et vous, il suffit de vous placer à la barre de. Dans la barre d'URL. Ok. Et vous tapez ceci. Moi, je l'ai déjà mise. Donc, ça fait http://administration-2. étranger-en-France. /en-france.intérieur.gouv.fr/particulier/jazz/jazz/. Donc là-dessus, vous faites entrer. Donc je vous invite à vous connecter là-dessus et créer votre compte avec votre numéro étranger. Donc il est probable que à l'avenir, on vous dit que il faut que vous preniez rendez-vous sur ce site-là pour certaines démarches. Donc, chose qui est déjà faite, hein. Donc, c'est en train d'être expérimenté. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose là-dessus. C'est histoire de vous quitter. Par exemple, le changement de statut, vous pourriez le faire sur ce site aussi. OK? J'espère. Et pour le moment, c'est ce qu'on peut faire sur ce site-là. Bon, là, il suffit de faire se connecter. Si vous avez un compte, vous arriverez ici. Et vous pouvez se connecter. Donc, j'ai ma connexion qui dort. Allez, déclare son changement de situation. Dans... Voilà. Acheter des timbres, voilà. Voilà, maintenant si vous faites connecter, donc vous avez déjà un compte, vous allez pouvoir vous connecter, hein, très simple, très basique. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous identifier avec France Connect, et si c'est votre première visite, vous allez pouvoir créer un compte avec votre numéro étranger. Sinon, c'est pas la peine. Votre identifiant, c'est votre numéro étranger, vous créez votre mot de passe. Bon, et voilà, c'est bon pour ce site-là. Ok, donc je peux venir dire, je vais prendre une capture encore une fois pour vous dire que ce tutoriel a pris fin. Donc merci, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour tout temps ce sujet.